Salut Internet, c'est Kamof, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo en compagnie de ces putains d'allergies de meufs. Je suis en compagnie de ma femme, alors petit bisou. Non, petit bisou sur la bouche, merci. Voilà, parce qu'il y en a qui diront que c'est pas ma femme. Alors c'est ma femme, je la fais venir parce que elle me dit, alors j'y crois pas trop mais bon, elle me dit que en gros on a un ami en commun, elle et moi. D'ailleurs c'est mon ami d'enfance à moi et ça fait 9 ans qu'on est ensemble avec ma femme, donc ça fait 9 ans qu'elle le connaît aussi. Mais c'est devenu un ami en commun. Elle me dit qu'en gros cet ami là aurait l'intention, ou je sais pas, aurait des sentiments pour elle parce qu'elle a déjà vu des trucs, des jeux de regard, des... Explique un peu alors, vas-y. Oui, non, pas des sentiments, j'en fais rien, je dis juste que c'est un peu bizarre. Qu'il y a des choses que dès que tu n'es pas là, ou que, je sais pas, il reste à la maison et que toi tu sors, ou que, je sais pas, dès qu'on va se retrouver tous les deux, moi je ressens quelque chose de bizarre. Après, j'en fais rien, je n'accuse personne. Je pense qu'il y a une ambiance bizarre comme... C'est différent quand tu n'es pas là. Ça change de quand tu es là. Quand tu es pas là et quand tu es là, ça change. Ah ouais, il a un comportement différent. Ouais, je ressens pas les mêmes regards et... C'est pas pareil, il va plus rester, plus me parler. Je sais pas, c'est pas pareil. C'est bizarre. Donc en gros, ma femme dit que, voilà, ben... Mon pote... Quand je suis pas là, il aurait un comportement bizarre avec elle, un regard différent. Il la regarde différemment que quand je suis là. Moi, personnellement, je connais mon ami depuis très petit, donc je sais pertinemment que c'est pas vrai. Mais je fais cette vidéo pour qu'elle en ait le cœur net. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'elle va l'appeler. Elle va lui donner rendez-vous. Elle va lui faire croire qu'elle a des sentiments pour lui, pour que lui, s'il a vraiment des sentiments pour elle, ou si vraiment il a une arrière-pensée derrière la tête avec ma femme, ben, il se dévoile et il dise son vrai, ce qu'il a vraiment dans la tête. Comme elle vient jamais dans les vidéos, elle a toujours été discrète, elle veut pas se mettre dans les vidéos. Si aujourd'hui elle vient, c'est vraiment parce que ça commence à lui peser sur la conscience. Au début elle voulait pas y croire et tout, puis là elle commence à me dire qu'elle a vraiment des doutes, etc. J'ai dit, tu sais quoi, on va faire une vidéo, tu vas venir, tu vois, on va le piéger et puis tu verras par toi-même que c'est pas une traître. Ouais, j'espère que tu as raison. Donc les gars, ma femme va se mettre dans un coin, je lui ai déjà équipé d'un micro, elle va l'appeler, on va lui donner rendez-vous, j'espère qu'il viendra, et s'il vient, on filme tout en caméra cachée, et la suite, eh ben, vous la découvrirez en regardant cette vidéo. J'espère qu'il se passera rien de grave, mais si elle est sur YouTube, c'est qu'il s'est passé un petit truc quand même. Allez, je vous dis à tout à l'heure, moi je vais me moucher, éternuer, et merci la ville de Marseille pour tous les sifflets. Bon les gars, ma femme va donner un coup de téléphone à mon meilleur ami. Elle va lui donner rendez-vous en espérant qu'il réponde. Donc elle va l'appeler sur haut-parleur pour qu'on ait toute la conversation. Et après, ben, s'il est dispo, si vraiment il est dispo et qu'il vient, on continuera à filmer. Bon, apparemment il va arriver les gars. Elle a dit où elle était. Donc on reprendra la vidéo dès qu'on le voit arriver. Alors les gars, on le voit pas à la caméra mais je le vois, il arrive. Il est là. Ça va ? On est suivi. Celui de loin, s'il te plaît. Essaye de te mettre là. Franchement, c'est pas bien, mais quand on est, c'est compliqué. C'est compliqué, ça se passe pas bien, c'est une crâne à tête. Sur plein de trucs, sur tout, n'importe quoi, maintenant c'est de bien, mais je ne laisse plus la peau, et au moindre petit peu de gestes, au moindre truc, c'est, ça part en guerre. Même toi, je te connais depuis que tu nous as vus, hein. tu nous as vus au début, tu nous as vus quand on n'était pas ensemble, je te connais depuis longtemps. Après, moi, je sais que si demain, je venais à me séparer dans tout, tu es repère quand même, tu vois. Genre, tu peux pas, du jour au lendemain, je pourrais pas ne plus te parler, tu vois. Parce que, tu as compris, demain, je suis plus avec lui et tout. Moi, je veux pas qu'on se parle plus. On va se bloquer, on se parle plus, tu vois. Mais genre toi, tu es pas bloqué là-dessus, tu avais envie de plus me parler, si jamais... Après, ça c'est une histoire, ça y est. Bien sûr, je m'en bats les couilles. Non, parce que genre... Mais genre, il y a des moments où j'ai l'impression que tu fais un peu des regards, ou je sais pas, quand il est pas là, genre... Tu es pas le même quand il est pas là, tu vois. Pourquoi toi, tu le ressens comment? Mais je te sens différent. Je te sens
trouve. Après, moi, j'ai pas dit que ça me déplaisait, hein. J'ai pas dit que... Ah, c'est ça, surtout ça, parce que je veux savoir si ça te déplaît ou pas. Non, franchement, non. Mais après, est-ce que je me trompe? C'est sûr que, bah, quand il y a un gauche, ça me fait plus bloquer. Pourquoi? Parce que t'as toujours été une petite que j'ai toujours bien aimé. De mon côté, ouais. Elle me trompe, en fait. Ben là... Après, je suis toujours avec lui pour le moment, mais... C'est vrai que... Non, je t'en prie. Et je fais quoi si je le quitte? Moi, c'est délicat, tu es le collègue à mon homme ou mon ex. Ou... Bah, et toi, du coup, t'aimerais quoi, comment avec moi? C'est quoi que t'aimerais? Mais non, je sais pas, justement, je te demande. Moi, c'est délicat. Depuis qu'on se connaît, tu vois, je suis mis quelquefois à un truc et tout, mais alors, je sais, ça jamais été sérieux. Après, je les ai vus, même passer, de toute façon. Voilà, tu les as vus, donc, après, avec toi, c'est différent. Et pour ça, genre, c'est comme ça avec moi quand tu le vois? Bah, ouais, c'est moi. Putain, le con, t'as vu? Non, bah, voilà, surtout ce que je voulais savoir, c'était par rapport à toi, tu vois, que ça t'envole. Ouais, je vais lui envoyer un message, je vais lui dire de monter à la maison. Mais juste par rapport à moi. Non, bah, je sais pas, y'a pas que ça, mais j'ai pas des raisons. Par rapport à toi, après, y'a d'autres choses qui s'est passé entre moi et lui, y'a des choses qui s'est passé, tu vois. Et tu vas prendre sur des verres, face à une relation de l'assumer, de... Putain, faut qu'elle regarde le téléphone. Donc là, je vais, je prends les affaires, je vais envoyer un texte en instant. Faut qu'elle monte, je vais m'en charger, moi. Tu sais pas qu'on est ensemble, là? Non. Tu l'as pas dit? Non, mais de toute façon, je vais récupérer mes affaires et je dois rien du tout, en fait. C'est bon, elle a compris. Oui, je... Ouais, comme ça, j'ai failli. Donc là, elle va monter récupérer les affaires et je vais faire... C'est des trucs, parlez-moi, enfin, hein. De toute façon, tu peux rien du tout. Je vais le piger. Non, ça va. Mais vas-y, mais je vais récupérer tes affaires, j'arrive. C'est bon, je t'attends. Ok. Bon, les gars, là, ce que je vais faire, c'est que... Je vais faire le tour du bâtiment, je vais passer par derrière. Et je vais arriver dans son dos et quand il va me voir, je pense qu'il va faire une drôle de gueule parce qu'il s'attend à ce que ma femme redescende. Et au final, c'est il va me voir à moi, je pense qu'il va... il va vite déchanter. Et voilà. Et à partir de là, ben, on va s'amuser. Parti. Oh Gaëtan. Ça va quoi? Ça va? Ça va, tu vas bien? Tu fais quoi? Ben, j'habite là, frère. Toi, qu'est-ce que tu fais là? Moi, j'attends une collègue. Une collègue là? Ouais. Ah ouais? Ouais. Non, ça va. Pourquoi tu m'as pas appelé si tu étais dans le coin? Tu aurais dû me dire. Bah, je vais pas te déranger, je sais pas, quand tu t'avais ta femme, ça va, moi, frérot. Et non, ma femme, je sais pas, frérot. Je sais pas où aller. Je sais pas. Tu sais pas où aller? Non. Ma femme, bizarre, hein. Ouais, t'as repris. Tu as pas vu, toi? Non, j'ai pas vu. Tu as pas envoyé de message ni rien? Non, même pas, frérot, quand tu fais l'appel. Je sais pas. Ta femme, bah oui, bah, tu vois. Tu la connais, ça va. Bon, ça va toi sinon? Ça va toi? Ça va, tranquille. Non, voilà frérot, à part ça, ce soir tu fais quoi? Bah, je change pas là frérot. Pourquoi? Tu es où? Voilà, je vais voir un collègue, je vais capter une gadget, tu as compris. Quoi, on se fait pas une FIFA ce soir? Bah, je reviens après, tu vas rester là longtemps ou pas? Je sais pas, là je vais pas tarder à rentrer. De toute façon, regarde, je te donne un coup de téléphone ce soir, si tu veux, tu passes à la maison. Vas-y, vas-y, vas-y. Ok, je fais quoi là? Je rentre à la maison, gentiment frérot. Vas-y, viens, discute un peu. Je suis là. En profite, en attendant, j'attends mon collègue. Bah, si tu veux, vas-y, je te laisse pas seul. Vas-y, on va marcher un peu, si tu veux. Marcher? Pourquoi faire? Je sais pas, ça. C'est bon, mais ça va pas de marcher, frérot. Mais ça, je vais rester ici. Bah, je vais rentrer chez moi, ou c'est tout. Tu es bizarre, tu as un comportement bizarre. Comment ça, je suis bizarre? Je sais pas, tu es chelou, frère. C'est d'habitude. Tu es chelou. Tu te tapes ma meuf ou quoi? Je sais pas. Sérieux? Ouais, je sais. Tu ferais pas un truc comme ça. Vas-y, tu sais, tu veux pas qu'on marche, non? Mais qu'est-ce que tu veux marcher à tout prix, frérot? Tu veux pas qu'on aille boire un coup, je t'invite? Non, c'est bon, je vais rentrer chez moi. Vas-y, on s'appelle ce soir. Je t'appelle. Mais c'est bon, on va aller.
Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Tu es bizarre, la vérité, tu es bizarre, tu es pas comme d'habitude. Qu'est-ce qu'il y a? Comment ça, je suis bizarre? Je suis pas bizarre. Vas-y, viens voir un coup. Mais non, c'est bon, c'est bon. Je vais rentrer, gros, je fais des allergies en plus, c'est en train de me rendre fou là. J'attends qui là? J'attends un collègue. J'attends un collègue? Ouais. J'attends qui? C'est toi qui es bizarre là. Maman, ton téléphone. Pourquoi? Maman, ton téléphone, je t'ai dit. Tu comprends? Gaëtan, je te... Casse-toi. Ok, casse-toi. Casse-toi, je vais te... Allez, stop. Allez, arrête. Allez. Quoi? Va voir que je veux. Allez. Parle bien, grosse merde. Allez. Va-t'en. Attends, Yannick. Tu vas voir. Non, tu vas voir. Ouais, je me casse, mais regarde bien, tu vas voir. Ouais. Oh, tu avais raison, c'est chaud. Mais je pensais pas. Pas de lui. À lui. Bon, les gars, on va arrêter cette vidéo parce que voilà. On se retrouve mercredi prochain à 18h pour une toute nouvelle vidéo. Si lui me cherche la merde encore, la prochaine fois, il n'y aura pas de pitié. Je le déchire. Je le déchire. Tu n'aurais pas dû nous séparer. Tu aurais dû me laisser le fil. C'est vrai que fini que là, il est parti, tête haute comme une coque. Alors que c'est une merde. Il est parti comme une coque alors que c'est une... De toute façon, Gaëtan, quand tu verras cette vidéo, sache... Parce que je sais que tu regardes mes vidéos. Donc quand tu verras cette vidéo, sache que là, cette histoire, là, je te le dis, il y a ma femme. Hein. Donc il y a ma femme, j'ai pas pu aller plus loin. Mais quand tu regardes cette vidéo, quand tu vas la voir, dis-toi que là, c'est loin d'être fini, frérot. We'll be right back.